Hop. Allez. Pourquoi je vais là-bas? Pourquoi je le touche pas là? Ah, c'est bon. Bon, je suis pas trop mal hein, niveau. Oh, je me suis chié dans la colle par contre sur les refus de la mort. Oh, elle va pas passer cette fois, non. Clairement, elle va pas passer. Pas concentré. Pour un sou, pour un copec. Je balance ça comme ça. Alors que j'ai pas fait de run avant. J'aurais dû la terminer hier soir cette run. C'est un boss ça? Ouais, on va faire ça, hein. Enough of this place. Oh, j'ai miséricorde, mais... Mais... Toi, je te déteste, toi et toute ta famille de blaireaux. Bon là c'est un boss. Oh là là. Oh yo yo. C'est vrai ils ont pas de bouclier donc c'est pas dérangeant. Il y a de la thune. C'est égal bord. Oh non, oh non, oh non. Oh putain de merde. Poisonnade. Vas-y crève. Ok. Artemis s'il te plaît. Comment vas-tu Galbor? Promis, je suis sage aujourd'hui. T'es sage d'habitude? Ah! Point d'ébullition ou pression hydraulique? Pression hydraulique, j'aime bien beaucoup quand même. Hein. Encore un guppé. Guppy. Guppé, guppy. Du coup, bah la vie, hein. T'en es où avec ta maman? Elle m'a dit de pas revenir et tout, machin. Elle croyait pas que mon père l'aimait encore. Du coup, je suis allée dans la chambre du padré, j'ai vu la photo de la madré. J'ai été lui dire. Et voilà, j'en suis là.
toi meurs avec tous tes ancêtres. Trion. Ah bah quand même. Ça va mal se passer. Ça va mal se passer le dat fight. J'ai un refus d'abord. Pas trop dur les rats. J'ai triché là. J'ai lancé le... En fait, non, j'ai pas triché. C'est juste que, en gros, genre hier, j'avais oublié que j'avais laissé une run qui s'arrêtait ici. Et du coup, je suis très très bien équipée, sauf qu'en fait, j'ai plus de refus. Enfin, j'en ai un. Donc les rats, c'était pas trop un problème avec la lance à longue distance. Mais il y a plus de refus de la main. Et pour l'instant, je maîtrise pas des masses le padré, quoi. Avec les 4 refus, oui, mais avec un... J'ai miséricorde, après. J'ai miséricorde, donc... Tu ne comprends toujours pas. Vas-y, papa, là, au bout d'un moment, laisse-moi passer, non? Les moires ne pouvaient donc pas se contenter de m'enchaîner au profond de la terre et continuer de se moquer de moi. Tu n'es rien qu'un père et un mari obstiné, arrogant et minable. Oh, je suis dur! J'ai manqué de volonté, j'ai fait mes choix. Dans toute cette histoire, je l'aimais, oui, je l'aimais terriblement, mais maintenant, il semblerait que je ne fais que retarder l'inévitable à leur part, par la rejoindre. Mais s'il lui arrive le moins de malheur, alors ma colère s'abattra sur quiconque en est la cause, y compris toi. Attends, quoi? Il va me laisser passer? Quoi? Vraiment? Vraiment comme ça là, gratos? Ah d'accord. Ah vraiment? Salut Mikazé, comment tu vas? Ah il m'a vraiment laissé passer au calme. Quand ça dit allez, laisse-moi passer, j'avais le sourire. Ah mais oui, mais j'ai balancé ça comme ça, genre en mode putain c'est bon, ça y est, je t'ai éclaté la tête 12 000 fois. C'est bon, je suis passé maintenant. Pour toi gagné. On a gagné contre Arsenal, let's go! Je regarde toujours s'il n'y a pas des trucs qui apparaissent. Elle est où? Ah putain, la trouille. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'aurais aimé pouvoir faire la surprise. De quoi tu parles? Mon retour, je rentre à la maison. Quoi? Attends. Attends, mais il se passe quoi là? Je suis en train de rêver. Non, mais en fait, je suis endormie. Mère, tu es sérieuse? Absolument, maintenant, si tu pouvais me donner un petit coup de main avec mes bagages, j'amènerais juste 2-3 trucs au cas où. Si on se dépêche, tu pourras peut-être m'accompagner au lieu de repartir comme tu le fais d'habitude. Ce n'est pas le genre de choses qu'une mère aime voir. T'accompagner, mais attends, mais comment est-ce que tu vas rentrer à la maison? Je n'avais pas prévu ça, Il se trouve que je connais quelqu'un qui peut nous y conduire. Caron, mon pote! Caron, mon pote! Ah, c'était sûr, Caron, mon poteau sûr, là!
Tu as fini le jeu alors? Bah je sais pas! Je sais pas! Je suis sûr qu'il a bien mieux à faire que de rester ici. Alors, ne faisons pas attendre plus longtemps, fils, allons-y. Je sais pas ce qui se passe, Mikaze, je... Je sais pas. Je suis survivant, mais comment? C'est parce que t'es sur la barque de Charon. Mon cœur bat à toute allure, rien de tel qu'un voyage long du fleuve pour se rappeler qu'il n'y a pas de retour possible. Comment ça? Mais même après tout ça, c'est comme si on venait seulement de se rencontrer, j'ai encore tellement de questions à te poser. On aura tout le temps d'y répondre plus tard, je pense. En attendant, profitons du voyage en silence, faisons comme si nous étions que deux hommes en route pour leur ultime destination. Mais il y a un plan pourri là. Monte la musique. Je peux pas. Attends. Ok, je peux mettre pause. Bouge pas. J'ai l'impression qu'il rêve. J'ai vraiment l'impression qu'il est dans un rêve, en fait. Le Rex Central, il est à fond, frérot. Je peux pas mettre plus fort. Je pense pas qu'il a mérité. Je pense que Cadès il est beaucoup trop têtu. Attends, mais vraiment? Vraiment? Comment ça, la suite? Parce que c'est pas fini. Ah. Putain, par contre la musique elle est trop bien. C'est quand on savoure la fin. C'est pas la fin. Enfin, c'est la fin, mais c'est pas la fin. Laissez-moi. Laissez-moi dans ma dépression, là. Mais la musique, elle est excellente.
même positionner ma cam, ça me stresse. Non. Non, elle est normale, pourquoi? J'arrive à cause du titre, mais apparemment je vais finir. Attends, Seb, apparemment c'est pas vraiment une fin. C'est genre en mode... c'est la fin, mais en fait non. Mais en même temps, il y a plein de trucs que j'ai pas débloqués, alors je trouve ça bizarre, quoi. Je vois hein, une partie du jeu sur la droite, ton cadre. Oui, c'est normal. En fait, même si tu regardes de l'autre côté, il y a un encadré noir autour du jeu, c'est parce que c'est une capture de Switch. Discord. Il y a pas le Discord Il y a pas de réfab, alors c'est compliqué. Discord, il est pas dans la description? Il y a moyen, hein. Je ne sais pas comment rentrer, à part tu sais, comme je fais d'habitude. Eh ben, mon perso, il me fume. Alors, en fait, je sais sortir, mais je sais pas rentrer. Oui, là, 30 secondes, je regarde juste s'il y a bien le Discord dans la description. Ouais, dans la description, il y a l'icône Discord, tu cliques dessus. On dirait intelligence de Shadow. Aïe, aïe, aïe. Au nom de Perséphone, la reine, ouvrez la porte. Ah, ok. C'est la raide quand même. Je passais bien des jours à m'occuper de ce jardin ou des nuits. On perd toute notion du temps ici en tout cas. Il a tenu plus longtemps que je l'aurais imaginé. Toutounet ! Cerber et Hadès. Oh le pauvre ! Oh c'est pas cool ! Putain, il s'excuse, alléluia. Pourquoi es-tu revenu si l'Olympe, si ta mère venait à découvrir, même Zeus lui-même ne saurait empêcher ce qui pourrait se produire. Sa mère, c'est Déméter, non, c'est ça? J'ai une petite idée, de toute façon, nous pourrons nous occuper de ça, mais j'aurais besoin de vous deux, toi et Zagreus, pour m'aider à travailler sur une solution, ou sinon tu préfères, je peux tout simplement retourner d'où je viens, qu'est-ce que t'en penses? Bah non. Bah non, oh non, bah non, ouais. Tu comptes les inviter ici pour un verre d'ambroisie? Et pourquoi pas? Même toi, tu ne peux pas réparer une famille brisée, Perséphone. Bah... Ça ne va pas tout seul, alors est-ce que tu vas m'aider ou non? Je ferai tout ce que tu demanderas. Bon toutou. Commence par parler avec ton fils. Canard. Je m'attends à ce que tu la traites avec déférence à tout instant. Bah c'est ma mère. Je suis allé la chercher, frérot. Je suis allée la chercher. Je suis mort. Et je suis morte et encore morte. De 12 milliards de fois. T'inquiète. Tu m'as appelé par mon nom. Quelle est cette étrange sensation? Est-ce que c'est cette déférence dont tu parlais à l'instant? Je suis horrible. Je suis vraiment le pire fils, quoi. Je ne vais pas regretter d'être revenu ici. Hadès parle sincèrement de toi, pas de moi. Zagreus. Je sais qu'il y a eu des moments où j'ai laissé mes émotions déteindre sur toi. Je ne me suis que rarement montré patient avec toi.
J'ai souvent douté de ton jugement, alors même que le mien était erroné. C'est donc ainsi que je m'excuse auprès de toi, mon fils. Je n'ai aucune excuse et je ne demande aucun pardon. Et pour tous ces mensonges où je suis de mère, tu t'excuses pour ça aussi. Tu sautes d'humeur et ta façon de passer les nerfs sur moi. Depuis longtemps, je ne m'attendais plus à ce genre de choses venant de toi. Et je t'ai toujours détesté pour ça, mais j'ai toujours pensé, pardon, que tu étais quelqu'un d'honnête. Ta mère n'est pas venue ici délibérément lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Quand elle est partie, croyant que tu étais mort-née, ta décision était définitive. J'ai cru qu'elle se porterait mieux sans nous, elle a bien compris. Vous vous trompez tous les deux, cela fait terriblement mal, mais c'était un mal nécessaire. Tu vas faire le Pokémon Present ? Je sais pas. On va encore être déçu, non ? Peut-être, mais ce n'était pas la peine de décharger tous ces tourments sur moi toute ma vie. Mais je crois que je comprends, j'aurais juste voulu comprendre plus tôt. Donc, et maintenant ? Je me suis tellement habituée à piller ton domaine que je crois que ça va me manquer. À ce propos, tes pillages ont révélé beaucoup de failles dans notre sécurité. Le genre de failles dont on ne fait jamais état dans les rapports. Notre réputation dépend de l'impossibilité de s'évader d'ici, alors pourrais-tu continuer d'essayer de t'échapper? Ah. Pas pour moi, mais pour ce royaume, pour la reine. Ah, intéressant la façon de présenter les choses, ok. Si tu continues de chercher à sortir d'ici de l'extérieur, personne ne verra quelque chose a changé. Juste une question, père. Imaginons que j'accepte la prochaine fois que j'arriverai à la surface, ce sera toujours toi qui m'y attendras. Ah, fils. Si tu crois un seul instant que je vais me montrer plus tendre avec toi désormais, tu vas être déçu. Putain, le lore qui explique pourquoi je peux continuer à jouer. Mais c'est incroyable comment ils ont fait ça. En plus, le truc, c'est que ça avait déjà été un peu évoqué juste avant. Parce que, hors stream, il y avait eu un dialogue avec Hadès qui disait, genre en mode, ouais merci d'avoir débarrassé la vermine et tout en haut, donc les rats et tout ça machin. Parce que c'est pas des, enfin c'est des trucs qui contrôlent pas Hadès et tout machin. Donc je passe mon temps à me frayer un chemin jusqu'à la surface et à tuer mon père. Bah écoute, tu as raison sur un seul de ces deux points. Tu pourras peut-être aussi t'occuper de ma petite maison tant que tu y seras. Le jardin ne demande pas beaucoup de travail, j'aimerais juste qu'il reste bien entretenu au cas où je pourrais plus supporter de vivre ici. Ah, j'adore! Mais j'imagine que je verrai ce que je peux faire. Bizarre la famille! Bouf. De faire de ton mieux et sache que moi aussi j'ai du travail à faire. En fait, j'ai l'impression qu'on ne va pas en manquer de sitôt. Alors on s'y met? Ok, donc j'ai réuni mes parents. Incroyable. Elle est régnée pour l'éternité sous terre en relative harmonie. Mais c'est pas fini! Ah, mais je me doute bien que c'est pas fini, oui. Le retour de la reine fut une source de grande réjouissance dans la mesure du possible étant donné l'obscurité et le caractère sinistre des lieux. Mais après tout ce temps, l'Olympe ne découvrit jamais ce qui s'était passé ce jour-là dans les enfers. Après tout ce temps... Mais ça ne fait que quelques jours, hein. Mais c'était bien, père et mère sont à nouveau ensemble, je me suis fait de nouveaux amis, et maintenant on a ce magnifique tableau. Parfait. Tout va pour le mieux dans le meilleur des enfers possible. La reine est de retour. Ok. Ça me fait encore bizarre de voir tous ensemble comme ça. Ok. J'ai des choses à espionner ou pas? Non, d'accord. Mm-hmm.
Il y a plein de points d'exclamation. Tu as libéré l'autre avec le contrat? Non, 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 j'ai pas libéré. J'ai libéré personne là. Tu l'as fait, mon garçon. Vous devez avoir beaucoup de choses à rattraper ou à réparer. Et de ce que j'ai compris, tes tentatives d'évasion sont désormais officiellement approuvées. Vous ne vous trompez pas, monsieur, pour l'instant, je me sens d'humeur à continuer à me battre pour atteindre la surface. C'est un bon défouloir, et comme l'a dit Hypnos, ça a fait des enfers un meilleur endroit, même si ce n'est qu'indirectement. Il me tarde de pouvoir travailler à tes côtés de manière plus formelle. Je souhaite de tout mon cœur que toi, ta mère et ton père puissiez apprendre à mieux vous connaître et à mieux cohabiter. Y a pas un mec qui faisait de la musique? Ouais. Oui, oui, j'ai une quête qui s'est débloquée là-dessus, justement, Mikasé, où il fallait réunir Orphée et Eurydice. Et je sais pas. Et il y a Achille, il est avec son mec, là, parce que 100% c'est son mec. Qui, je sais pas, il y a un truc aussi avec eux, je crois. Bonjour Lusa! Vous êtes réveillé ici officiellement? Mais comme ça, oui, je dirais que oui, en tout cas, c'est sûr. Ça compare pour le moment en espérant que tout se passe bien. Vous comprenez que ça signifie, pas vrai? Nous sommes officiellement collègues maintenant. Vous trouvez pas ça excitant? Lusa, elle me fume. On pourra donner des conseils, discuter des défis auxquels elle fera face, ok. Ça, vous parlez, c'est ce qu'on fait depuis le début. Non, c'est pas pareil. Genre, l'ambiance est complètement différente maintenant. Vous verrez, bon, je vais y aller. Dusa la pire. Oh maman! Comment ça se passe pour toi? Jusque la mère, tu t'acclimates de ton nouveau... De nouveau à tout ça. Tu disais avant que c'était difficile. Ça doit te faire très bizarre d'être de retour dans les ténèbres tout le temps. Elle est trop classe, ma mère, habillée comme as. Figure-toi que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Merci de me poser la question, mon fils. Tout le monde s'est montré très accueillant. Les ténèbres me font changer d'air, c'est agréable. Et même si la robe est un peu gênante pour se déplacer, elle me plaît. Trop classe la robe. Je suis content de l'entendre. Je dois reconnaître que j'avais peur que tu veuilles immédiatement retourner dans ta maison. On se sent pas toujours à l'aise ici. Oh, ça va, ça va. Et autre chose? Achille avec un mec? Ouais. Ouais, Achille, il a un mec. Je sais plus son nom. Je sais bien. C'est un dépressif en plus, là. Et je ne peux pas dire que ma maison ne me manque pas un peu, mais je crois que je n'ai plus envie de m'enfuir. Parfois, c'est nécessaire, bien sûr, mais on a beau aller loin, on ne se débarrasse pas de ses problèmes, c'est toi qui me l'as appris. Moi, j'ai passé mon jeu à m'enfuir quand même. Hein. Ah oui, mais j'ai essayé désespérément de m'enfuir moi-même, oui, voilà, voilà. Alors, il est temps d'offrir à ma mère... Père de donner du nectar en cachette à tous ceux qui nous sont chers. Je me disais que ça a peut-être été la même chose sur l'Olympe dans le temps. Bref, je voulais te donner ça. Je suis tellement contente de t'avoir retrouvé. Père n'a jamais autorisé la consommation de nectar en public, alors j'avais presque oublié la saveur. Attends, ne bouge pas, j'ai quelque chose pour toi moi aussi. Du coup, j'ai le dernier truc que j'avais pas. La fleur de grenadier. Le monsieur du troisième monde qui t'attend, Karikoro. Bah oui, bah c'est le mec à Achille. Pour un grand guerrier pareil, de toute façon de parler, bien sûr. Mère a dû te manquer autant que tu lui as manqué. Vous avez du temps à retrouver désormais. Ok. Salut Réfab! Bon, parlons aux vieux. Finalement, je peux tout simplement sortir quand je veux. Aucun emploi du temps strict à respecter. Ton imprévisibilité est un de tes atouts. Nos défenses doivent être sur le qui-vive en permanence. Par conséquent, c'est exact, tu peux vaquer à tes occupations comme bon te semble. Et les Olympiens continueront de m'aider en pensant que j'essaye toujours de m'échapper d'ici pour les rejoindre. On ne pourra pas continuer cette mascarade avec eux éternellement, tu sais. Ouf. Ta mère, la reine, y travaille. Ok. Tu m'as fait re-télécharger Hadès. Ah merde. Ah merde. C'est la faute de Jarmou, tout ça. Faut le savoir. Hein. T'as réussi avec ton tel.
Ouais, Mikasa, en fait, j'ai trouvé un logiciel qui marchait très très bien et qui a marché directement. Achetons des mets d'ambroisie. Voilà. Petit gâteau! Petit gâteau là! Bon. Bonjour, Orphée. Je crois avoir entendu un de tes chants dehors. Ça disait nananana. Ça disait nananana. C'est dans le sang, ça te rappelle quelque chose? C'était vraiment superbe. Ah, celui-là, oui, je me rappelle, j'ai entendu dire qu'il y a eu beaucoup de succès auprès de notre public. Nous étions très productifs de notre vivant, m'amuse et moi. On va plus voir les cartes floues, c'est ça? Tu crois que tu pourrais le rechanter un jour? Le nananana. Nyx! Nyx bébou. Perséphone, la reine est revenue. J'arrive à peine à y croire, mon enfant. Tu l'as ramenée ici parmi nous. Ah ouais, ouais. Hein. Moi aussi, j'arrive à peine à y croire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On récolte les morceaux et on recommence. On recolle les morceaux et on recommence. Trouvons la vérité ensemble. Bon, alors Meg qui est la râleuse par excellence. Juste pour que je comprenne bien. Tout détruire sur ton passage, piller les ressources du royaume de ton père, tenter de me battre, ça fait officiellement partie de ton travail. Oui. J'imagine que oui, mais avant que tu te demandes, ce n'est pas pour lui faire plaisir que je fais ça. Je ne pensais pas que tu en étais capable de quitter cet endroit pour de bon. Bah, plusieurs fois même apparemment. Hein. Mais je ne pensais pas non plus que tu assumerais la responsabilité de quoi que ce soit. Enfin bref, maintenant on peut s'entretuer de façon plus officielle, j'imagine. Yes. Ah, Nyx plus belle que Perséphone. Ah oui, oui, clairement. Prends mes poissons. Ok. Juste aller checker un truc. Le jardin est toujours ouvert maintenant. Le jardin. El jardin. Il y a quelque chose qui diffère sur le... Non. Le jardin. Oh. Dont l'accès était interdit au prince tout au long de sa vie. Ah oui, j'avais pas le droit d'aller au jardin, quoi. Ce n'est pas la maison de mer, mais c'est pas mal non plus. Ah, mais je peux pas aller par là. La tricherie, tu sais. Ok. Si, si, Galbor. Ah, il a rien à me dire, lui? Est-ce qu'il y a des choses différentes ici? Non. Il me parle pas, Tados? Ok. Alors, voyons voir cette fameuse relique. Tous les 6 combats obtenus. Ah! Qu'est-ce que c'est, sa dinguerie, là? Comment ça? Ok, bah écoutez, on va... On va lancer une run, on va voir ce que ça change. Ok, on va faire ça. Hein. La chaleur influence pas le lore. Bah oui, mais si je mets pas une chaleur plus élevée, j'aurai pas de récompense à la fin. Donc. Bisous, Mikasa. Le soin ancestral ne fonctionnera jamais sur toi, fils. Seule une poignée de privilégiés ont suffisamment d'autorité pour voyager librement dans ce royaume. J'ai bien peur que tu n'en fasses pas partie. Très bien, merci. Merci, père.
commence avec Dionysos, le dieu du vin. Ce qui se passait la dernière fois, mec, t'avais l'air tout près du but, mais après on t'a perdu de vue. Tu es revenu ici, bon bah, plus qu'à recommencer, hein. Ouais, ouais, ouais. Y'a rien qui m'intéresse. Super. On va prendre la frappe éméchée, hein, quand même. Non, ça c'est très cool. Bon, surtout la répute des dieux. Mais j'ai déjà commencé à faire ça, hein. Un frappe méchée niveau plus 1. Genre, en gros. Charon il est au max. Parce que Charon c'est le gars sûr, hein. J'ai monté un peu Chaos parce que voilà. Zeus, voilà. Athéna est au max. Artemis est au max. Arès est au max. Ouais, je peux pas encore débloquer ça donc. Oh, j'aime pas Déméter, ça se voit, je pense. J'ai jamais pu donner d'autres trucs pour l'instant aux dieux, donc voilà. Achille, j'en ai donné deux. Orphée au max. Sisyphe, pas encore. Eurydice au max. Je me suis dit qu'il fallait que je les mette au max les deux pour les aider. Voilà, Patrocle, c'est lui le mec. Pas encore au max, Thésée, fils de. Cerber, je lui ai quasiment pas donné. Thanos est au max parce qu'il me paraissait bizarre comme perso. Je voulais voir si je pouvais débloquer des trucs avec lui. Et du coup, ma mère qui vient d'arriver. Voilà, voilà. T'as du boulot. Tu sais, tu peux t'arrêter un soir, hein, Galbor, hein, t'es pas... Tu peux respirer, hein. T'as le droit. T'as le droit. Jamais il me sort. Ouf. Attention, piège, Kuro, t'as activé le truc. Oh, j'ai pris très cher, hein, dessus, hein. Bon, les clés, c'est pas ce que je... Je m'en bats les couilles, en fait. Oh, please. Ah. Athéna, merci. Sinon. Oh putain, oh l'élan divin et la marche assurée là. On va prendre l'élan, bien sûr, bien sûr. On va prendre l'élan. J'aurais bien aimé les deux. Par contre, sinon, c'est quand que j'ai des nouveaux poissons, genre. Ah, mais je peux parler à Charon.
quite all right. I don't mind the walk. D'accord. Oh, les clés, putain. Secours, secours les clés là. Ah putain! Oh, la démarche assurée, il va falloir que je la cherche au bout d'un moment quand même. Clé de mort. Oh non, pas Poséidon! Pression hydraulique, je prends. Ouais, sinon tu veux pas rester sur le live et genre se foutre de ma gueule parce que je suis nul, Galbor. Ce serait quand même un peu mieux de te faire une soirée où tu respires. Respirer, c'est quoi? Ah, tu sais, c'est le truc vital là, un peu quand même. C'est compris dans mon rôle de serviteur. Me fatigue. Paresse favorable. La paresse favorable. Ils vont me casser les couilles, ils vont me casser les couilles. Ok, nice. Ça tous les jours. Allez. Ok. Mon truc préféré, ça tombe bien. J'ai la paresse favorable sur le boss. Oh, quel enfer! Ça suffit de me courir après! Je la déteste tellement. Je la déteste tellement. Je sais pas comment je fais. Wouh! C'est la première fois que je fais un fight aussi clean sur l'Erinie.
Enfin, sur elle surtout, en fait. Ah non, mais je vais garder ça, hein. Je garde tous les jours ça, hein. Fort, hein. C'est beaucoup trop fort. Ok. Est-ce que j'ai de la pêche quelque part? Non. Oh, ça y est. I'm free! Pas de pêche, pas de pêche, pas de pêche, pas de pêche, pas de pêche. On va prendre Hermès. Attendez, j'ai juste un petit truc à tester. 30 secondes. Je fais juste un truc vite fait. Attendez, parce qu'il faut que je fasse ça. Ça commence les bordels.
c'est l'Arturia. C'est pour la giga ouverture Naruto Caillou, là. Je suis en train de voir avec Godzi des trucs. C'était avec lui que j'étais en réunion et que le live, il était en retard. Mais on a des petits soucis techniques. Bon style décor, merci. Je vérifie si j'ai bien tout fait. Ok, le problème est bientôt réglé, hein, je vous assure. C'est pour vous avoir des promos. Sinon qu'on sera ici. Écoute, Sardine. Ok. Ouh, il y a encore un petit. Oh putain, évidemment, je me remets dans le jeu. Je prends un coup. Oh, la frappe fulgurante là. On se met bien pour l'instant, hein. On se met bien, hein. Alors, soit j'ai un charron. Mais j'ai aussi. Ouais, vas-y, je prends le. Oh, la déroute rebelle. Po, 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 po. Alors ça par contre, je l'ai jamais eu et là il tombe. Et en plus on a Athéna derrière en mini-boss. C'est la run!
De la folie. Non, j'ai pas. J'ai fait exprès de pas regarder le trailer. J'ai vu qu'il. Alors, j'ai mis le DLC dans mes. Dans mes. Voilà. Hein. Mais j'ai fait exprès parce que j'ai peur de me spoiler des trucs. Fatih, donc j'ai pas regardé. Mais vu ta réaction, ça doit envoyer du lourd. Ouais, j'ai trop peur de me spoil. Oh, je me suis pris un coup vraiment là-dessus, là. Je comprends. Bah ouais, comme j'ai pas fini encore le jeu initial et tout avec Guy. Je préfère ne rien regarder au cas où. Au cas où. Mais j'ai juste vu le. Sur Steam, j'ai vu la gueule de. Bon, j'ai vu le prix aussi. Vu le prix du DLC, je pense que ça va envoyer sec. Je pense que ça va bien envoyer sec vu le prix du DLC. Et c'est pas des développeurs qui nous la font à l'envers en général. Donc ça va être fat. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'heures à train. C'est quoi, y a quoi là-dedans? Vas-y, let's go. Le seul que je peux te dire, si tu vas en chier. Ah ouais! Enfin, déjà, l'image. Péter la classe bien comme il faut. J'ai juste vu l'image hein, du DLC. Péter bien la classe sa mère. Et le prix, ça présage pas mal d'heures de contenu ajouté. Ça fait plaisir. Je sais pas où on en est avec Guy. Mais je pense qu'on en est très très loin de la fin, mais. Ah ouais, vraiment, Aphrodite. Oh, les cœurs de les cœurs maintenant. Oh, c'est un peu tard les cœurs maintenant là. Salut, ça va, Momo sur Elden Ring, je suis au niveau 619, j'ai battu 155 boss, je suis au New Game Plus 12. Là, j'ai 613 heures de jeu, je l'ai platiné en 4 mois. Ah ouais! La VOD est en cours de traitement par YouTube, c'est long! Bah, on fait des longues sessions aussi. Je vais prendre le tir. On va monter la pression hydraulique. Allez, on va aller voir l'Ernie. L'Ernie poteau. L'Ernie poteau sûr. Prends si cher avec mon build. En même temps, vu la relique que j'ai. Qui augmente les niveaux. C'est trop fort. Je suis désolée, mais cette relique est beaucoup trop forte. Hein. En plus, j'ai la vitesse d'attaque, les attaques infinies là. Tu veux quoi, toi, avec ta vieille tête de chamallow là? Regardez les points de vie! Incroyable du cul. Salut Death. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Tu peux me poser une question? Je te dis pas que je vais la lire
immédiatement tout de suite parce qu'il y a beaucoup de têtes d'un coup là. Ouh là là, je brûle. Ok, nice. Oh, je suis trop près! Kuro! Bonsoir, Death. Je sais pas si je t'ai dit bonsoir, Death, mais sinon tu auras deux bonsoirs. Ok, nice. Et bah, je paye le chat. Est-ce qu'il y a des let's play de Elden Ring? Oui, il y a les let's play. Tu veux dire en rediff? En rediff, oui, il y a les let's play. Refab, justement, s'en occupe. Il les met sur la chaîne Rediff. Ça faut savoir que la chaîne Rediff est gérée par FA parce que c'est un grand fou qui avait envie de s'en occuper. Et du coup, il met toutes les Rediff. Alors, il n'y a que mon point de vue à moi, bien sûr, puisque FA n'a pas accès aux Rediff de Guy. Mais sur YouTube, c'est sur même Kuro Replay. Tu peux avoir, du coup, les Rediff. Voilà, FA t'a mis le lien, si jamais. Tu as raté des bobos, des streams, des bobos d'intense plaisir, notamment hier. C'est si plaisant de les démonter, eux. Ouais, pas de soucis. Pas de soucis, Fatih, pas de soucis. La grenade ou le Hermès? On va prendre le Hermès. Qu'est-ce que j'aimerais, la vitesse de déplacement? Je sais pas si je l'ai eu déjà. Je crois pas. Allez, mouez tous là. Ce serait bien que j'ai pas de char, mais bon. Je pense que je rêve éveillé pour ça. Oui, bien sûr. J'allais t'en parler moi aussi, tiens. Tiens, bouffe ton vieil arc de mort là. Voilà, allez, des bisous. Hein. Oh, la prime d'activité. La prime d'activité, je la prends même maintenant. Parce que quand on va arriver au Styx, ça peut être utile. Il n'y a pas de pêche. Je prends ça tous les jours. Garantie l'absence de char pendant vos combats. Oh, j'ai pris un coup, je pensais qu'il allait crever. À mort les chars. Ah bah tiens. Oh c'est dur ça. Oh non, ça c'est... Ça c'est vraiment des putains. Y'a pas de soucis, Fatih. Les chars c'est pas les mobs les plus chers du niveau. Bah ils sont chiants et si tu les as pas, t'es sûr qu'il n'y a pas de truc qui va te foncer dessus, tu vois. Mais ça par contre c'est putain. Moi je vais prendre Athéna Dionysos mais j'aurais bien aimé aller voir Patrocle, Patrocle, machin là. Putain. After party, QV de prestige je prends aussi.
Oh, arrête de râler à Tenno là. Oh non, pas eux. Ok. De toute façon, je peux pas avoir de petits chars, donc je m'en branle. Tu veux pas mourir, toi? Oh putain, il est vulnérable ce combattant là. Allez. Nous restons une famille malgré tout. Technique divine. La technique. Athéna. J'ai du Arès ou pas? Je crois même pas. Oh non. Oh, combien de points de vie je vais lui enlever avec mon but à lui là? Oh non, ça c'est pute, je pensais qu'il allait sauter. Ah, je le démonte. Hein. Concentre-toi, Kuro! Alors, soit la rallonge, soit les triples pointes. Et là, je suis refaite toute ma life. Oh, j'avais vu ce qui... Vas-y, ça me casse la tête. Je suis nul! Je suis nul, je fais nimp! Je fais nimp! Appel à la nimpitude! Kuro est bourré! Oh, aïe aïe aïe! Mais oui, fonce dans le charme, quelle bonne idée, Kuro, enfin! C'est vraiment ce que tu dois faire dans ce jeu! J'ai pris trop de Dionysos! Triple pointe. Point extensible, ça part. Ça part. Point extensible, ça part! Qui m'a tapé dessus par derrière là. Ça tricie pas les soirées avec Dionysos. Ah ouais non mais catastrophe hein. Non mais il m'a dit allez Kuro un dernier verre et tout. Moi j'ai fait et après bah voilà je savais plus.
Oh, j'apprécie vraiment le fait que vous ne bougiez absolument pas de là où vous êtes, hein. Oh, mais t'abuses! Kuro, t'abuses! Appuie sur ta touche B, trou du cul! T'es avec ton arme de prédilection, avec les augmentations de l'arme que tu préfères, et tu te fais toucher comme une grosse merde comme ça, là? Bah voilà, voilà un fight bien. Putain, j'ai galéré comme un porc. Ah bon? Pourtant l'hydre c'est le plus facile. Oh bah ça va, pas j'ai rien dit. Non mais en fait, elle a des patterns très simples à apprendre, l'hydre. Si tu regardes bien, en vrai, c'est vraiment pas dur. Plus dur, c'est Thésée. Ce fils de pute de Thèse. Oh, mais Kuro! Non! J'ai dash! Vas-y le jeu! J'ai dash, wesh! Une merde. J'ai pris 2 hits de la part du Minotaur, je suis une énorme merde. J'ai pas d'appel, je suis en train de me dire. Bah alors ? Oh non, c'est Artemis. Oh, ça va. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être Dionysos, mais non, je l'ai. Ah, ça sera Artemis. C'est plus facile à esquiver, fils de pute ! Courant ! Tu sais plus jouer aux jeux vidéo ! Ah oui, pardon. Je prends l'ambroisie. En seconde, je réponds un message. Ton Thésée à toi est plus dur. Je suis en chaleur 4 pour l'instant. En vrai, là j'aurais pris
la dent de Thanos, de Thados, mais je pense que je vais garder l'autre relique, hein, parce que j'ai encore mes quatre mes quatre bousins là. Est-ce que je vais avoir un nouveau poisson ou pas? Non, c'est toujours la même merde. T'as réussi une fois avec toutes les armes? Ah oui. C'est le premier objectif que j'ai fait en fait. Voilà. Pas d'argent, continuons. Il y a plein de trucs que je sais pas comment je sais pas comment ça se débloque ou quoi, ou qu'est-ce. Donc je vais voir. Et en 10 ans plus 1. Ouais, hein, cette relique, elle est beaucoup trop forte, putain. T'aimerais bien que tu essayes un truc par rapport aux températures, si tu veux. Je t'avoue, là, j'utilise mon arme de prédilection pour faire une run tranquille, quoi. Oh la pute! Oh la pute, je l'avais pas dans ma vision! Oh, je l'avais pas dans ma vision, sale fils de flûte! Ça, Pierre.
J'espère autre chose de la part d'Athéna, c'est pas grave. Peut-être ici, maintenant. Non, oui! Oui, Bébou! Oh putain! Direct comme ça là? Moult pognon. Ok. Bonlar. Et bonlar. Bonjour Kaori. Passe pas devant l'écran s'il te plaît. Voilà, tu peux aller sur maman. Riposter 4 ans de plus en niveau. Po. Oh, il va être chiant à battre lui. Enfin, peut-être pas chiant, mais long. Oh, c'est bon. Oh, j'ai vite brisé son truc. Ça, c'est doux, ça. Ok. Oh, c'était si rapide! Oh, attitude positive, c'est pas mal. Oh, engourdissement et attitude positive, j'aime bien beaucoup. Hein. Ouais, non mais en fait, c'est pas que les dégâts des dots, c'est genre... Plus 7. Voilà, plus 4, pression hydraulique. Enfin bon, il y a des trucs à cause de... Enfin, grâce à la... Au bousin, là, à la nouvelle relique. C'est aberrant, quoi. Hein. ...432, est-ce que je peux acheter... Non, je peux pas acheter Hermès encore. On va prendre la grenade. Oh, j'ai pris un croc, vas-y. Oh, c'était bien ça. C'était bien ici. Je prends ça. Je prends ça. Allez, la petite pression. Il n'y a pas d'autre thune. Cassons-nous! Bonjour. Je prends ça. Il y a quelque chose qui m'intéresserait à prendre ici. Allez, je vais tenter la vie sur le boss. Riposte éclatante plus un niveau en plus. Allons-y. C'est un peu greedy ce que je fais, hein. J'aurais pu partir voir papa direct. Hein,
En voulant safeiser, est-ce que je vais niquer mes points de vie? Rien n'est moins sûr. Oh putain. Ok, ça passe. Ça va en vrai. Je pense que c'est largement worth ce que j'ai fait. Est-ce que je peux acheter quelque chose? Oui, je peux acheter une grenade. Allez, Cerberu! Cerberu! Je check juste s'il n'y a pas d'autres trucs à pêcher. Non. J'ai pas d'invocation, mais bon, c'est pas grave. Allons-y! Ma fille, oh, t'es tout endormi, mon cœur. Tu reprends ma base cette fois, père. Confronting you like this, it's different now. Personne ne va pouvoir s'échapper de mon royaume. That's the spirit, father. As for me, I find the candor of... Allez. And you are strong, though slippery, blast you. All that pent up rage behind your smiling words. To the death. J'aurais préféré avoir de la part de... Voilà pourquoi. De la part de notre cher... Oh, il y a un poisson là. Notre cher... Casburn des prés de l'accélération. Le dash en plus pour ce fight. Mais bon. Oh, et oh, et... Comment ça apparaît derrière moi, ça? Casse-couille des bois! Jusqu'à. Putain, jusqu'à la DS, ils vont casser les couilles, ces chars de merde! Darkness! Oh, c'est quoi qui m'a touché là? Trichez ça, monsieur! Je peux pas mourir, genre, faire ça. Oh! Oh, je suis une merde! Je suis une merde inconditionnelle de m'être fait toucher par ça! Ah oui, oui, clairement, j'ai dit. Oh non! Je veux pas taper le chien! Oh, mais il mourut, il est dedans! Bravo Kuro de foncer dedans! Vas-y, fonce dedans! C'est une superbe idée! Riche idée, hein, Kuro, hein! Non, allez, vas-y, c'est bon. Hein. J'étais trop loin, j'étais trop loin. C'est bon. Je suis de la merde. Hein. Surtout, ne reproduisez pas mon fight chez vous. Je tente des strats que j'ai pas tenté jusqu'à présent. Alors que j'ai une lance longue.
Et je me fais défoncer la plupart du temps, apparemment. Ok, c'est bon. J'ai perdu officiellement un refus de la mort pour rien parce que j'ai grid. Hein. Une 3-8. Encore une 3-8. Atteint la surface du royaume souterrain de son sinistre père, l'ingénieuse Agros poursuit son chemin vers ce qui était autrefois la demeure radieuse de Perséphone. Oui. Il s'agit là d'un voyage d'une longue j'ai pas le temps de lire, nombreuses reprises, et qui s'est toujours soldé par le même résultat. Imaginons donc qu'il parvient à sa destination avec juste assez de temps pour arroser les plantes et entretenir les lieux avant de mourir. Porté par le Styx. Les hommes ne croient pas qu'elles finiront par trouver leur mère. Bonjour contre-maître. Oh. Ça me permet d'être encore plus énervant, j'aimerais voir ça. Très très bien. Les clés en vrai ils me servent à rien jusqu'à présent, on va débloquer le truc des clés. Comment ça connexion au chat? J'ai perdu le chat l'espace de quelques secondes. Tout va bien. Bon. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai perdu le chat, j'ai pas de paquet perdu, j'ai pas l'impression d'avoir perdu internet, mais ok. Ok. Est-ce que je peux acheter autre chose hein? Achetons des ossements sinistres. C'est tout, je pense, puisque moi aussi. Ah, ok. Ok. Alors, il y a quoi là-dedans? Pour première fois. Ah bah voilà, un refab. Je peux toujours pas aller par là. Ok. La belle Dusa. Elle me fait rire, Dusa. Elle est où ma daronne? Ah, elle est peut-être dans son jardin, la daronne. J'ai oublié que j'avais débloqué le jardino. Pas du tout. Where is ma daronne?
J'ai mis trois plombes à aller chercher. Ok, je sais pas où est ma mère. Elle est partie en catimini. Oh, t'es mon cœur d'amour. Bon alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Death? Je fais un gros câlin à Kaori en attendant. Température que ça se passe. Fais ton but. Ah mais mon but il est fait hein. Voilà. Pour l'instant je vais essayer juste de récupérer le maximum de cristaux possible. Mesure d'urgence. Ah ouais, le truc que j'ai jamais voulu mettre. Ça veut dire qu'en gros, j'ai appris par cœur les patterns des boss pour qu'au final, ils me fassent des trucs que je connais pas, c'est ça? En gros. Yes! Je vais me prendre un petit coca. Hein. Tu verras, c'est drôle. Alors, peut-être pour vous, mais... Je vais me prendre à boire, hein. Il me reste 2 PV, enculé! Mais les deux phases! T'as niqué les deux phases, Refab! GG! Combien de refus de la mort utilisés? Aucun GG. Merde. Eh bien. Bah pourquoi? Ah bah j'appuie sur B abruti. Oh, commençons par Athéna. Direct l'élan divin. Alors ça, si c'est pas cadeau, ça. Oh, avec ça en plus au début. Allez, let's go. Bon, ça va augmenter l'élan divin, mais... Allez, le marteau. L'attaque sans fin, ou la triple pointe, ou l'extension de lance. Toujours la même chose, hein.
Ah, j'ai l'extensible ou la triple pointe? Ah je pense que je préfère l'extensible à la triple pointe. Soit ça, soit des cristaux, soit on descend. On descend! On descend toujours et encore et toujours. Voir Papa Chaos. Hop, on lui donne une petite fiole. Qu'est-ce qu'il nous propose, Papa Chaos? C'est pas foufou, hein. Ça c'est bon. Ok, ça tombe bien parce que du coup maintenant que j'ai acheté le truc, ça va me recharger les dés. C'est bien tombé ça. Pas cette thune. On va aller prendre ce mini boss de merde. Je sens savoir que. Ah non, ça va. Je pensais que ça allait être l'autre pète couille qui se téléporte, mais non. Dionysos. M'aime beaucoup l'alcoolo ces derniers temps. Oh non. Oh et voilà. Il suffisait d'en parler. Ouais, bien sûr. Je me fais toujours toucher par lui. Grosse merde, putain! À chaque fois, hein. Tiens, sale pute! Bon, tiens, vas-y, Dionysos, prends un petit coup. Prends un petit coup, mon pote! Cuvée de prestige ou à frapper méché? Frapper méché? J'aurais bien aimé la cuvée. Les points de vie. Tu l'as fait avec quelle arme au fait, Réfab? La première? Ah, l'épée du coup. Ça va. C'est pas la pire. En vrai, je pense que la pire pour les débutants, c'est le bouclier. Miro, aveugle Miro.
Oh, la clé, vraiment. Vraiment, mais donnez-moi des trucs intéressants. Bon, ça c'est ok, mais bon. Ah, il m'a bloqué, le fils de pute. Donne la thune. On va pas aller chercher la clé, hein. La clé, on s'en branle de fou. Putain, il y avait un piège derrière moi. Oh, mais Miroman, hein. Miroman sur cette run, hein. C'est vulgaire, non? Je suis pas vulgaire. Que je dis que je suis Miroman? Parce que tu insultes la maman des autres. Ah! Mais j'insulte toujours la maman des autres sur les jeux. Oh, hier j'ai beaucoup insulté la mère de Radan, hein. La pauvre. Oh bah il mérite, hein. Encore lui? Oh bah si, c'est elle qui l'a fait, hein. Ah, j'ai risqué de calculer, mais bon... Pourquoi Charon? Allez. Death? Tu fous de ma gueule? Comment ça, bah quoi? Il le savait, le bougain. Non mais Tisiphone, je... J'ai du mal de solo. Mais pardon!
Non mais non mais. Et je voudrais pouvoir marcher sur le sol, c'est possible ou? Mais à l'aide, à l'aide. Bonsoir Joshi. J'ai 3 points de vie. J'ai pas utilisé de refus. Ah ouais, mais... Ah! Il m'a piégé de Death. C'est rigolo, il a dit tout à l'heure. Ça va être dur ça. Hein. Pas de pêche. Ah, gratos, ok. Je joue à pitié, je crois. Il y avait la prime d'activité, mais je peux pas refuser ça, quoi. Je suis full alcoolo. Bonsoir Sebi. C'est mal les projets de kill qui vont à 2 à l'heure grâce à Athéna Dionysos. Ça, quel plaisir!
Ok, l'un divin qui prend les niveaux, c'est pas vraiment ce que je veux. Ok, là on a une Athéna. Donc, on va aller voir Athéna. Hein. Bien envie d'une petite Athéna là! Démarche assurée, riposte éclatante. Ok, technique divine, c'est pas mal aussi. L'hydre, bon. Je vais du coup bientôt vouloir trucider Death, vu que je suis sûre que l'hydre va avoir trois têtes d'un coup. Ah non. Ça marchait que pour le premier boss. Bah ouais, je vois pas trop ce qu'elle a de plus vernis là. Oh merde, j'ai pas esquivé ça sérieusement. C'était très simple à esquiver en plus. Une mesure du genre par chaque boss. Bah oui, mais l'Erdi c'est un boss et je vois pas ce qu'elle a de plus. Je vois pas ce qu'il y a eu de plus là. Ah genre il faut que j'en ai activé qu'un seul et il aurait fallu que j'active les quatre, c'est ça? Ah ok, d'accord. A y compris. Oh, mais attends, mais une mesure d'urgence sur Thésée et l'autre fils, enfin sur le Minotaure et l'autre fils de pute. Mais je devienne fou. Déjà, je le déteste. Oh oui. Oh. Oh, les mini-chars. Il m'en faut 3000 des trucs comme ça, donc bouge. Oh, il arrive pas, ce fils de pute. What?
va aller voir Charbon, hein, parce que là, j'ai bien envie d'un peu de stuff, là, quand même. Hein. La vie, c'est mignon, mais... Zeus. Ah. Ah, on va prendre Vengeance Céleste, hein. J'ai envie de tester Charon. On va l'essayer. Je l'ai jamais battu encore. Hein. Je l'ai essayé une seule fois. Et du coup, je connais pas trop ses patterns. Ah oui. Je peux leur envoyer ça? Ouais, pas de ouf, hein. Wouah, il tape tellement fort. Et ça se passe pas si mal. Enfin, je crois. Il me fait peur, hein. J'ai peur. Hein. Oh, c'est ça, j'en... putain. C'est quoi qui m'a touché? Oh, c'est le truc sur le côté! Et un refus! Qu'est-ce que c'est? Je connais pas la P3, je suis trop loin. Aïe 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 aïe! Je repop pas. Ok. Je croyais que j'allais repopper au store en fait. Pas du tout. Ok, j'ai battu Charon pour la première fois. Le dépressif. Bon, allez, remets-moi mon refus que j'ai perdu. Merci. Vraiment ? On va prendre la clé, hein ?
voilà pourquoi j'aime pas les chars. Voilà pourquoi les chars c'est de la merde. Je devienne pas fou, hein. J'ai pas le temps d'esquiver, ça m'énerve. J'ai 8 HP. Là. Oh, je deviens fou. Eh ben, pas sorti de l'auberge, hein. Je vais me faire démonter, hein. C'est con parce que j'ai pas un mauvais build, mais il me manque une petite chose, quoi. Puis j'ai fait un peu de la merde aussi. Ouais, ta gueule, toi. Là, les dégage, non? Je crois que je suis trop énervé. Je suis déconcentré de fou. Je sais pas ce qu'il fout là, je sais pas pourquoi il est descendu lui. Déjà que de base je le déteste. À travers lui, ça ne fonctionne pas, Kuro. C'est Artemis. Putain, c'est l'autre connasse de Déméter. Personne ne t'aime. Voilà, avec crevé là. Quoi. J'ai plus un copec de refus de la mort. J'ai vraiment très mal joué. Bah non, tant pis. Je prends pas la dent, mais tant pis.
En vrai, si j'avais su, j'aurais pris. J'aurais pris la prime. Bah voilà, riposte éclatante. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Athéna. On a Athéna, pourquoi tu trouves par terre mon cœur? Oh putain! Regardez le chat 2 secondes, vous perdez la vie. Bien, il est gentil, il a attendu. Il a attendu que son pote meure. Oh non. Ok. Hein? J'étais en dessous là? Pas cool, Athéna. Une démarche assurée. Elle y est pas. Je peux acheter un autre truc. Oui, je peux acheter Zeus ici. Allons-y. Allez, on part mini-boss Zeus. Allez, allez, let's go. Allez, hein, tant qu'on y est. Mais je suis plus 1. Let's go, let's go. Hein. On prend des niveaux grâce à la relique. Mais vraiment, en fait, le jeu me déteste. Je pense qu'il me déteste. Je pense que c'est un complot. Putain, mais d'où ? Et si j'essaie d'acheter le cristal à la con au pire des cas. Au pire des cas.
Je suis à la moitié, pas sûr, mais. Ah, après, ça donne, hein. Oh, ça donne bien, là. Hop, la thune ici. Pression de groupe qui augmente. Ah, ça peut le faire, hein. Pour acheter le cristal, ça peut le faire. Ouais, forcément. Il n'y en a pas d'autres? Non. Oui, je sais, ouf. Bon. Comment j'ai fait là, mais j'ai fait, hein. Je veux juste pas Tony, s'il vous plaît. Pourquoi je me suis jinx comme ça? Clopate, laisse cette porte. Ou Orion, j'ai pas bien vu c'est lequel. Je reviens. Pas très worse ça, hein. Mais je peux acheter ceci et même ceci. Ouais, c'est pas fou. C'est quoi le dernier truc? Bah allez, tant qu'à faire, hein, allons-y, allons chercher la grenade, hein. Il y a un peu d'argent là. On va prendre ça. Hein. On prend le max qu'on peut. Parce que je suis sûre et certaine de pas passer le padré. Enfin, je dis ça, mais. Peut-être que je m'en sors, mais. Je me sens pas confiante là face aux padres. Nice.
celui vraiment de gauche, il ne bouge pas. Voilà, parfait. Oh, nickel. Ah mais venez un par un, il n'y a pas de problème. Je vous prends, il n'y a pas de souci. Je vais monter l'appel, allez. Bon. J'ai tout pillé. Let's go. Let's go pour se faire trouver le fiac par papa. C'est très bizarre cette phrase. Ne sortez pas cette phrase de son contexte, par pitié, parce que c'est très très bizarre. Hein. Elle a l'air inoffensive. C'est mort. Hein. Darkness. Comment il triche de fou. Non mais Théma, Théma, il a retransmis tout le temps. Dinosus. Ça, c'est vraiment très très chiant, voilà. Ma vie pue le sexe. Ça, c'est pas juste, hein. Quoi?
Mais d'où? D'où? Elle me touche de là. D'où? Frérot, c'est bon. C'est bon, les bouts de range là. C'est bon. Vas-y. Merde. Hey, did you see? The queen's come back. Hey, watch it, Hypnos. That's my mother you're talking. What, really? Huh. So then your mom doesn't spend any time with you either. We don't. Greetings. I always meant to ask you, Orpheus. Where did you learn to sing like that? Was it really Apollo himself who taught you? Oh, I learned from many different sources, Zagreus. That is before all of my inspiration started coming from a single source. Here you go. I'll be on the lookout for this when I'm in the area. Je suis pas vénère. Tiens. Persephone, my queen. It has been far too long. Although the passing of the Please, Nyx. No formalities between us, right? It's wonderful to see you too, my friend. The days there on the surf. Good times, I trust. Good times, most certainly. We are s'entendent bien toutes les deux, disons. Although it shall be a difficult adjustment for you once again, I fear. Well, having built a little house all by myself up there, I think. I do. Hey, sir. Bon. Mother can be quite persuasive. What? I never thought I'd see the queen again. It's her doing that. Don't know where all that. No, I suppose. The queen always came. J'avoue, il parle trop là. Ces chats me cassent la tête. Putain, il m'en manque. Give me the current special. Il m'en manque. Lui, je peux toujours rien lui dire. Ok. You're no mere weapon, are you? Baratha, awaken. Bon, eh bien. Orion, il a envie de faire le con à chaque fois que je suis en stream. Vraiment, à chaque fois que je suis en stream, il fait le con. Il essaie d'ouvrir la porte, il essaie d'ouvrir les placards. Il escalade les murs. Y'a personne ici? Toujours personne. C'est un chat après tout. Peut-être. Mais Cléopâtre et Cléori, elles font pas ça. Tiens, si je donnais un petit coup à Achille. Ok, du coup j'ai un nouveau truc. Un poster d'Achille.
Bon, on a bien avancé, hein?